Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour, non je rigole, pour la suite de la carrière manager avec le Betis Séville. Dans le présent épisode, c'était le lancement de cette nouvelle saison. On va tout de suite regarder vite fait le calendrier pour voir ce qui nous attend dans cet épisode. On va jouer face à Villarreal, Girona, l'Athletic Bilbao, Milan AC... là, il y a un club que je ne connais pas, Numancia. Et on terminera face à Levante. Oui, parce que je vous rappelle qu'on joue un match sur deux. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a certains qui ne bah, qui sont pas spécialement fans. Je vous avoue que moi non plus, puisque toutes mes carrières, je les joue tout le temps. Je ne simule jamais aucun match. Mais pour le bien de la carrière, parce que sinon, on ne va jamais terminer cette carrière. Et le but, si je commence une nouvelle saison, c'est de la terminer. On est obligé de simuler un match sur deux. De temps en temps, je simulerai un peu moins de matchs. Et si je vois qu'on est en avance, avant la fin de FIFA, ce que je ferai, c'est que j'arrêterai de simuler et on jouera tous les matchs, donc vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est la seule solution pour qu'on puisse bien avancer dans notre carrière manager. Et là, les escrocs, je vous rappelle qu'on a quand même une très très belle équipe et on va devoir viser le championnat et la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, championnat, on est 7ème, c'est pas fou, après 4 journées. J'ai vu que vous avez été nombreux à me demander, attendez, je crois que c'est dans l'accueil équipe, je fais jamais, c'est de modifier les numéros des joueurs. Du coup, on va commencer avec notre capitaine. Alors, c'est pareil, Eriksen, vous avez été nombreux, encore une fois, à me dire, ouais, Flo, c'est pas normal, le mec, il vient d'arriver, il a le brassard, Carvalho mérite. Alors, je suis d'accord avec vous, Carvalho mérite tout autant que lui, mais Eriksen, c'est Eriksen. On a fait une carrière avec les Spurs, il y a de ça 2 ans, je crois. Peut-être même plus, je ne sais plus. Non, 2 ans, je crois. 2-3 ans. Ouais, je ne me souviens plus. Ça, on a fait tellement de carrières que, voilà, c'était le capitaine. Et voilà, j'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Du coup, on va modifier le numéro de mémoire. C'est le 23, je crois qu'il a. Il y a aussi le numéro de Martial. Il va pouvoir récupérer son numéro 11. Même si, en vrai, Martial, je crois qu'il a récupéré le numéro 9 de Lukaku, vu qu'il est parti. Donc, pour les maillots, on va rester comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais là-dessus. Donnarumma, il a quoi comme... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Donnarumma, il a le numéro 12. On va lui mettre le Uno. Numéro Uno. Hop. Je viens de voir et Donnarumma a le numéro 99. Donc, du coup, bon, on va lui donner son numéro 99, hop, là pour les numéros, au moins on est bon. Et deuxième et dernier point, c'est Juju. Juju, vous êtes nombreux, c'est vrai, à me faire la réflexion que le petit Martinez qui est là sort d'une grosse saison, il ne mérite pas d'être sur le banc. Je suis d'accord, mais je me dis aussi que Juju mérite aussi sa chance. Ça fait 2 ans qu'il est là, il est très très bon, c'est notre joker de luxe. J'ai envie de continuer à lui laisser sa chance et on verra bien. Pour l'instant, je crois qu'il fait quand même un bon début de saison. On va regarder vite fait au niveau des stats, mais Juju, il a quand même fait 4 passes D, 3 buts. Donc, 4 passes D, 2 buts, même si bon, on va quand même compter les matchs de préparation. Il a fait 3 passes D sur son premier match de Ligue des Champions face à Marseille. Donc, on va essayer de leur faire confiance. On est parti pour le premier match. Du coup... Il va falloir bien calculer. Normalement, il me semble que ce match-là, on doit le simuler. Ici, on simule, on joue, on simule et on joue face au Milan AC. C'est ça. Donc là, on va simuler face Villarreal. Villarreal, ils sont 12e juste derrière nous. On va mettre l'équipe B avec Martinez. Du coup, on va voir s'il plante. Shakiri à gauche, Chong, Kubo, Wakaso, Tonali, Ampalo, Brooks, Mendy, Latal et Sedge dans les cages. On est bon. On simule le match en espérant avoir une victoire parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'on remonte au classement. Ça va pas être facile, mais j'y crois. On est parti pour ce match face à Villarreal. Ils ont Toko Ekambi, ok. Sydney, on a vendu Sydney à Villarreal, j'avais oublié. 0-0 d'ailleurs, c'est lui qui prend la petite biscotte. On arrive bientôt à la mi-temps, ça serait bien de planter un petit but. Ok, bon. Bardi qui rentre en jeu. Les gars, on part sur une défaite. Ça va être dur. Je pense que cette saison va être dure. Ça va être dur. Défaite face à Villarreal. Après, on met l'équipe B. Hein. Je pense qu'on met tout de même une belle équipe sur le papier. Mais bon, c'est vrai que Villarreal, c'est plus fort que nous.
Merci pour votre confiance, ouais, pas de souci. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Du coup, on est 12e. Je sais pas c'est quoi le classement. Après, c'est le fait de simuler, c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Séville, 15 points. Ouais, on a 9 points de retard, donc ça va encore. Mais là, faut vraiment gagner. Allez, faut remonter, les gars. Allez, hop, équipe 1. Juju, Eriksen, Martial. Ouais, alors là, c'est la grosse équipe. Là, c'est le score. On n'a pas le choix, on met un score à. Je sais même pas contre qui on joue. Riron? Ouais, c'est ça. Juju en pointe, Martial, Eriksen, Bale, Carvalho, Bardi, Hernandez, Militao, Akanji, Mbabu et Donnarumma dans les cages. Let's go! Et comme on doit se concentrer, les escrocs, on va même mettre les lunettes pour être à fond. Allez les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Eriksen, let's go les gars. Walcott! Ah ouais, mais Walcott c'est rapide. Mais non, mais arrête, il pèse 2 kilos. Bien joué Donnarumma. Allez les gars. Ouh, dommage, Garrett qui passait par là. Pressing, pressing, pressing. Super, Garrett. Oh, comme par hasard. Oui. Oh là 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 là, ils ont la pression, les gars. Pour l'instant, ça tient, mais. Ça va finir par craquer, les Garrett. Voilà. Bien joué, garçon, de la tête. 15e minute de jeu, 1-0. La tête de Gareth Bale au premier poteau. Et ça tape le poteau. Bon, après, fait du bien cette ouverture du score. On va pouvoir respirer un petit peu. Bardi. Bardi qui lance Juju. Oh là, ça va vite. Pas de chance. Oh, Juju. Oh, Juju, le travail. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Le travail entre Juju qui décale pour Bardi, Bardi qui lui remet, et la tête au premier poteau, c'est parfait. 2-0, 30e minute de jeu. Pour l'instant, on gère très très bien le match. Match assez facile, même si voilà, on va rien dire, mais pour l'instant, c'est... Merde, c'est nickel. Oh là, il se tape, Eriksen, good job, man. Allez. Oh là 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 là. Cette fois-ci, tu te craques pas. Voilà, tu te poses pas de questions. Ah, malheureusement pour eux, ils sont complètement débordés en défense. Et en plus de ça, on a des joueurs assez rapides. Donc, ça fait la différence. Et cette fois-ci, Juju se craque pas. Passe en profondeur, il accélère. Défenseur essaye de repiquer dans l'axe. Il frappe fort. Le gardien, pour moi, se trouve un petit peu, mais on en profite. Et ça fait 3-0. Mi-temps, tout se passe bien pour l'instant. 3-0 à la mi-temps, 9 tirs à 1. On domine. Pour l'instant, on domine, donc c'est parfait. On gère le match. Ce serait bien de continuer comme ça. Ça part, ça part. Allez. Le plat du pied cette fois-ci. Voilà, la sécurité, Juju. Le triplé. Manque de réussite pour Gareth Bale. Le passement de jambe, la frappe qui passe juste au-dessus, mais c'est pas cadré. Oh la récupération. Oh la récupération d'Eriksen. Oh, dommage. Allez, sortie de Bale. Entrée de la choucroute. Sur le côté droit. Ouais, je peux pas là. Je peux pas. Je suis concentré là dans ma carrière là. Oh là là, oh là là. Oh, ils font n'importe quoi dans leur défense, c'est trop drôle. Martinez sur la tête. Oh là, mais c'est pas... Oh, premier ballon pour Martinez. Il claque une tête. Bon, ça tape la barre transversale. Après, heureusement, il y a Carvalho derrière qui traîne, qui claque une grosse frappe en plus. Ça rentre. 5-0. Gros score. Oula, oula, vite, vite, vite. C'était, je pense que l'arbitre il s'est dit bon allez, je vais siffler à la fin du match. C'est une catastrophe. Bah belle victoire, rien à dire. Victoire nette, 5-0, c'est parfait. 17 tirs à 2, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est parfait. On reprend notre marche en avant pour la Liga. J'espère qu'on va remonter au classement un petit peu. Voilà, on passe à la 6ème place, ça c'est bon. On avance. Oh, faut pas oublier les entraînements. Faut pas oublier les entraînements, on arrête là, on arrête là, on arrête là. Ok, on fera les entraînements après. Bah du coup, on va mettre l'équipe bis, forcément, parce qu'après on a un match important face au Milan AC pour la Ligue des Champions.
Donc, je fais confiance à mon équipe. Martinez a l'air en forme en plus de ça. Shaqiri, Chong, Kubo, Tonali, allez les frérots. Oh là là, ça commence mal. Ça commence très très mal. On est mal là. Faut égaliser les gars. Cette équipe bis, elle va me plomber le championnat, c'est pas possible. Allez. Allez les frérots là. Un petit but s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Allez, au moins un point quoi. Allez chercher un petit point. Carton jaune, match nul, je sais pas, non? Bon. Encore une fois, une défaite. Défaite face à Bilbao. 1-0. Ça va être dur. Ça va être dur. Bon, bah, nous, on va se concentrer sur notre match de Ligue des Champions face au Milan AC. Offre pour le poste sélectionneur. Oui, j'avais oublié, mais non, merci. Email de joueur. Mon rôle dans le club. Ah oui, c'est vrai qu'on avait reçu une offre pour l'équipe de France. Allez, les gars, on accepte l'équipe de France. Pour l'instant, je m'en occupe pas. C'est bon de vous savoir à bord. Ok, pas de soucis. Conférence de presse, on s'en fiche. On verra ça plus tard pour l'équipe de France. Là, on se concentre pour notre match de Ligue des Champions très important face au Milan AC, histoire de prendre. Bah, de prendre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça, c'est les entraînements. Hop. Hop. On va simuler les entraînements avant que j'oublie. Youssef Attal qui est là. Chong qui a réussi à avoir un petit B. Le reste, c'est pas foufou. Hop, on est bon. On est parti pour ce match. Face au Milan AC, je ne sais pas si on est à l'extérieur ou pas. On est à domicile. C'est bon. Nickel. Du coup, on avance. Normalement, l'équipe 1 en plus est en pleine forme. Puis ils se sont reposés pendant que l'équipe bis était en train de perdre un deuxième match. Martial, Eriksen, Bale, ouais, tout le monde est en pleine forme. On est parti. Ah oui, Bonjour à je tous. voulais revenir De là-dessus. l'autre côté de Pierre Je vais Ménès, skipper parce que je me suis pris des droits d'auteur sur la Ligue des Champions. pour vous faire part de cette rencontre, de la Du coup, position c'est du pour ça groupe. que vous avez entendu des Allez, salut à bruits tous. de Le match poteaux, d'aujourd'hui alors qu'il n'y en avait entre pas. Parce qu'en fait, à la Manchester base, ma City vidéo, et bah, je Liverpool. l'avais terminé le montage. Oh merde. Voici la Et j'ai dû composition de notre équipe lancée. refaire le montage et Le match débute j'ai dans tout 5 minutes décalé, au sauf. moins en Bien alignant entendu, il Youssef fallait bien qu'il y ait Attal. une petite On va boulette. donc J'ai voir tout décalé la sauf le situation bruit de notre équipe des, et bah, de des notre joueur poteaux. à bouger. Donc, du coup, je me suis Je retrouvé pense avec. que nous avons Vous avez dû entendre l'accompagnement des. Hop, l'accompagnement alors que j'étais en plein dans les physique menus ou en parce que plein match comme ça en train de faire une j'ai passe. Donc, d'ailleurs donc vous noté inquiétez. dans la Oh, presse l'entraîneur oh, qui il est a rapide lui. justement opté pour le 4-3-3. Oh, Juju! Il y va tout seul. Mais il est trop Lautaro fort. Martinez. Oh là là là, cette parade! Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Ils ont remplacé Donnarumma par le Suisse. Oh, il fait une belle parade. Hein. Rien à dire. Oh là là, oh là là, le pied, bien joué. Oh là, allez, on Attention, explose. peut-être On l'occasion de explose. marquer un Allez, nouveau point. Martial. Le Il y a contre cru! se Il y a cru que c'était pour Martial. Allez, accélère! Il a une bonne Eriksen. frappe. Pas du pied. Christian Eriksen. Oh, ça manque de Et le puissance. gardien qui ne relâche pas ce ballon. J'aurais peut-être dû tirer en force avec Eriksen parce que, bon, il a quand même une belle frappe. Oh là 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 là, Gareth Bale, allez, tu l'as frérot. Tu l'as, je t'ai dit. Ok, d'accord. Les gars, restez. Oh là 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 là. Lautaro, il Oh passe là en charge. là, les gars, on Ah, il subit. détourne le ballon du On pays est des chez nous ou lointains. pas là? Le joueur de l'AC Milan qui On obtient une subit à touche la pour maison, les mecs, sérieux. Rodri. Heureusement qu'on a Donnarumma. Facile Oh là appui là, Gareth appuyé Bale. sur cette Allez, deux tête. contre deux là, si Ouais, bien t'accélères. joué de sa part. La phase de groupe où, bon, sur Allez, le Gareth! plan, à peu près tous les pays ont déjà Bien été joué, confrontés garçon! une fois, Allez! à part les Oui! Philippines, Non! Croatie et Maroc. Mais non, mais stop! On dirait Lucas, lui, là! Il court trop vite! Ouais, c'est bon, hop, Ça voilà, commence déjà physique, par une Théo, bien défense qui a joué. vraiment très bien joué. Oh! Eh, les erreurs, non, c'est de ma faute, là. J'ai pas le droit de faire des erreurs de Non, relance on comme a ça. compris Oh, je sais pas l'intention, quoi faire. mais c'est un adversaire hein, qui Je mérite panique! bien. Ce sera un corner Les erreurs risqué que de je sa fais, part. mais c'est n'importe Tonali quoi! en tête, essaye de marquer, N'importe attention. quoi! On subit un peu trop, je trouve, hein. Ouais. Oh là là, Juju. Ah, il Oh, est Yambabou. Oh, la vitesse hors de d'Yambabou. lui, le Eriksen qui est là Sakharidis. aussi. Il a vu l'appel de balle. Oh, c'est quoi cette Tonali passe? dans la profondeur. Eriksen. Non, mais non, mais on Ah, rate trop énorme parade du d'occasions. gardien. Ah, il est belle le Mbabou. gardien. Wow, Ah, il wow, passe pas. Ouais, wow. coup Oh, franc sur Gareth. cette faute. Oh, Gareth Bale, il prend tout de suite le ballon. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, Bale, la patate. Ouais, le meurtrier monté haut pour La encaisser tête. ce coup franc. Et ça aurait fallu plus Fou qu'il obtienne ce ballon de la tête, bravo. Hein. Ouais.
On a Donnarumma qui est vraiment pas mauvais. Clairement. Oh, il est parti. Il est parti ou pas? Oh non! On met de la tête, c'est bon. Allez, on explose maintenant. Ouais, bien joué. Il y a une grosse faute là. Oui, tu croises Bale. Oh l'enfoiré. C'est de ma faute. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Et l'arbitre qui décide de sortir le rouge pour le gardien. Oh le pauvre. Oh le pauvre. En fait, ce que j'ai voulu faire, je pensais avoir le temps, c'est de faire un passement de jambe et partir sur le côté. Sauf que malheureusement, bah j'ai pas eu le temps. Mais heureusement au final, parce qu'ils prennent un carton rouge. En plus, leur gardien, il était chaud patate. Il a changé quelque chose dans cette équipe. C'est chose faite maintenant. Allez Bale, croisé. Oh, c'est arrêté. Ouais, très bien joué, il a fait le bon choix. On va dire que c'est mérité. C'est mérité parce que... Attention à la frappe. Par contre, il a pas l'air mauvais, lui, il a le petit Remiro aussi. Hein. Deux fois qu'il arrête un penalty, il arrête une frappe pleine lucarne comme ça. Mi-temps. Alors, première période catastrophique, clairement. Et là, bah, on a eu un coup de pouce de la part de l'arbitre, clairement. Penalty, bon, on n'a même pas réussi à le marquer. Mais carton rouge. Donc, ils sont à 10 contre 11. En plus de ça, ils ont perdu l'un de leurs meilleurs joueurs. Parce que clairement, le gardien, il leur a sauvé quand même quelques belles frappes. Même si Donnarumma aussi. En tout cas, on était clairement dominé. Ouais. J'espère par contre qu'ils vont pas nous dominer à 10. Hein. On est chez nous, on se fait laver comme ça, sérieux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ils nous respectent pas. Bien joué, Juju. Bien joué, ça. Allez, Gareth. Allez, Gareth. Allez, frérot. Allez, frérot, au bout. Oui, voilà. Le but d'Anthony Martial. Gareth Bale qui part en contre. Il déborde sur son côté, il centre. Et puis bon, bah, Martial complètement seul. Il a juste à se matcher devant le gardien. Ça y est, enfin, le public se réveille. On se fait égaliser. Il reste 20 minutes. Si on se fait égaliser, je pète les plombs, les gars. Hein. On a 10 contre 11. Mais on touche pas la balle. Je vous assure, ils sont trop forts. Ouais, on passe par le côté. Et encore le même. Encore lui, là. En plus, on le récupère. C'est parfait, ça. Il est chaud, Bale. Hein. Très, très chaud. Deux fois, il feinte le défenseur. Derrière, il la frappe. Une belle main. Belle main, mais j'ai pas activé les mains, donc forcément, c'est pas sifflé. Le petit japonais, Kubo. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Kubo. Il a piqué ce ballon Kubo. Pour passer juste... Mais il se passe des trucs, là. Le tir. Oh là là. C'était une occasion de prendre le large. Bah, Bardi, il a toujours eu le numéro 3. Depuis quand il a le numéro 3, Bardi, là? Frappe pied gauche. Ouais, et... C'est pareil, on touche la barre transversale, c'est pareil là, hein, là-dessus. Mais vous faites quoi, les mecs? Non, pas lui, j'ai pas le droit de faire l'erreur face à lui, stoppé, Donna. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'était un match très, très, très compliqué, je vous avoue. Bon, déjà là, il y a une parade exceptionnelle du gardien. Juju qui fait une belle frappe, la main ferme. Ça s'est arrêté. Bon, il y avait un gros combat entre les deux gardiens, je pense. Hein. Gareth Bale qui finit homme du match. Ouais, je voulais voir. Donna 7-4. Et il est où? Il est où? Bah. Comment il s'appelle, leur gars? On peut pas le voir vu qu'il a pris un carton rouge. Gareth Bale qui finit avec 9 de notes, ok. Remiro. Ah oui, non, le sommaire, je le cherchais. 4,9. Mais oui, il est sur le terrain, en fait. Ouais. Ouais, il aurait pas mis. Franchement, son carton rouge, il est très très généreux. Enfin, très sévère du coup. Mais pour moi, il n'y avait pas vraiment 14 tirs à 10. C'est un match très très serré, même s'ils ont eu le carton rouge. Oh, heureusement pour nous qu'ils ont eu un carton rouge, je pense. Le PSV qui gagne, Manchester City aussi. La Juve 2-1 contre l'Atletico. J'ai pas eu le temps de voir les autres résultats. Nous. Merci, coach. Ok, Bardi, t'es content, tant mieux. Hop, on supprime tout ça. Attendez, Bardi. Bardi, je suis quasiment sûr, il avait pas ce numéro-là. Il y a dû avoir un bug avec les numéros. Moi, je mets pas hors de question que Bardi se retrouve avec avec le numéro 3. Gestion d'équipe, modifier numéro. Bardi, c'est le frérot, c'est le sang de la veine. On va lui mettre le numéro 93. Ah non, c'est du...
C'est Juju qui a le 93. Ok, bon, on va le mettre quoi? Le 10, il est pris. 8. Kubo, il a le 8. 10 pour Garde Bale. Oh, vas-y, bah, je vais mettre le 8. Kubo, tu perds ton 8. Kubo, il est où? Il va être tout en bas, lui. Il a pas un gros général. Kubo, 73. Modifier numéro. Kubo, on lui met quoi, Kubo? Allez, Kubo. Hop là, 73. Très bien, Kubo. Hop, t'es heureux comme ça? Hop là, nickel. Du coup, on avance tranquillement. France, c'est aujourd'hui le dernier jour pour soumettre la liste finale des sélectionnés pour le prochain match éliminatoire de la Coupe du Monde. Ok, on va sélectionner. Du coup, en gardien, forcément. Alors, attendez. Vivier national. Pour l'instant, on a Hugo Lloris, Ruffier, Alban Lafont. Ok. Samuel Umtiti, Varane, Laporte, l'anglais, Kipembe. Mendy à gauche. On n'a qu'un défenseur gauche. Sidi B, Dubois. Ah non, il y a Théo Hernandez qui est là. Théo, ouais, on prend le... on va faire marquer notre équipe. Théo Hernandez, allez, viens frérot, t'as pas de soucis. Pogba, Kanté, Rabiot. Oh, petit Rabiot, la 87 de général, Rabiot. Au milieu de terrain. Bon, Rabiot, la 87 de général, mais voilà. Je prendrais peut-être un petit Tanguy. Tanguy Ndombele, il est très très fort. Semawar aussi, il va monter, hein, mais pour l'instant, je vais prendre le petit Ndombele. Et puis bah, pour le reste, je pense que l'équipe est vraiment, vraiment pas mal du tout. On va rester là-dessus, on confirme. On n'a pas bougé beaucoup de joueurs. On a juste retiré Rabiot et on a rajouté Tanguy Ndombele dans l'équipe. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, joueur appelé en sélection, entraîneur adjoint, ok. Donc on va simuler le match en espérant avoir un bon résultat tout de même parce que là, c'est bon. Je pense que c'est le moment de faire un bon petit résultat, les gars. Alors on a mis la grosse équipe. Ça doit le faire. Ouais, Juju qui égalise tout de suite derrière. Un partout. Oh là là, on fait un partout contre ça, les gars. Sérieux. C'est abusé. Même en mettant l'équipe une. On va simuler nos entraînements. Et maintenant, on va se concentrer un petit peu sur l'équipe de France. Alors, je vous avoue que là, les matchs, vous oubliez. On va pas jouer les matchs de l'équipe de France parce qu'il faut quand même avancer dans notre carrière avec le Betis. Mon rôle dans le club, c'est pas le moment. Alors, Grisou en pointe, Mbappé à droite, Tolisso en 10. Alors attendez, déjà on va faire jouer les frérots. Ah, et Martial il est fatigué. Varane 88. Kipembe ça bouge. Moi je mettrais hop, Umtiti Varane. Benjamin Mendy. Ouais, Dubois à droite, on n'a pas. Vraiment, c'est notre défaut, hein, je pense, à droite. Hein. Entre Sidi B et Dubois, ça se vaut tous les deux. Hugo, pourquoi il n'est pas dans les cages, Hugo? Hop, tu vas dans les cages. Kanté, Pogba, ça bouge pas. Grisou est en 10. Tolisso, il a 87. Moi, je mettrais peut-être Pogba un cran plus haut sur le terrain. Ce qui est vraiment dangereux quand il est haut comme ça. Oh, il y a Fekir aussi. Ah, mais il y a des gros joueurs partout. Hein. On a des gros joueurs partout. Je viens de me rendre compte que dans la sélection, on n'a pas pris assez de milieu. Parce que là, on a genre Kanté ou Pogba qui se blessent à la récupération, on n'a plus personne. On n'a que Tanguy qui est là. Tolisso, tu restes là. Tac, 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 tac. Bon, on n'est pas trop mal comme ça. On n'est pas trop mal. Grisou, c'est pas mon joueur, il est fatigué. Martial est un peu fatigué. Ouais, Martial est complètement fatigué. Martial est totalement fatigué. On va laisser Thomas Lemar. Hop, on va laisser comme ça pour ces matchs-là. Mais, en tout cas, vous inquiétez pas que notre petit Martial, c'est lui le titulaire côté gauche. Juju, élu joueur du mois de septembre, qualification pour la Coupe du Monde. Bon, par contre, je simule, mais si je vois qu'on perd, faut pas déconner. On ne pourra pas perdre contre la Suède avec une équipe comme ça. Allez, voilà, Grisou qui marche, qui marque. Et le coaching payant, Ndombele qui marque aussi. Pogba qui rate un pénalty à la 75e minute de jeu tout de même. Du coup, on est bon, c'est parfait. On va pouvoir tranquillement avancer. Et là, on va pouvoir faire tourner un petit peu. On va pouvoir mettre notre petit Martial qui est là. On va faire reposer un peu Grisou. On va mettre la casette. On va faire tourner un petit peu. Il faut que tout le monde joue. Ruffier, tu vois, dans les cages. Eh, moi, je fais tourner comme si c'était un match de coupe, mais non.
Je suis un fou, moi. Ndombele était bon. On va pas trop changer l'équipe, en fait. Varane, tu retournes en défense centrale. Il y a juste Grisou. On met la casette en pointe. On va voir ce que ça donne. Et puis, l'équipe ne bouge pas trop pour ce deuxième match de préparation. Allez, on simule notre deuxième match de préparation. On a juste retiré Grisou. On a mis la casette en pointe. Sinon, c'est exactement la même équipe que le match aller. Enfin, le match aller, le premier match face à la Suède. Et on gagne encore une fois le même score. Martial Pogba. On marque en toute fin de match. 88e pour le but de la victoire. Pogba qui délivre son pays. Impeccable. Bon, maintenant, on peut se concentrer sur le championnat. Et là, clairement, il y a du travail, les gars. Oh, petit A, petit B, petit B, petit B. Bon, le petit D pour Chong, c'est un peu moisi, mais sinon, ça va. Là, on va se concentrer pour notre dernier match. Oh, j'ai déconné. J'ai fait jouer Martial alors que, ouais, il... 3 jours après. Normalement, 3-4 jours, il va se reposer, là, Martial. Ouais, oh, il est en pleine forme. Je vais faire un choix fort. On va simuler le dernier match la semaine prochaine. Enfin, là, je vais jouer face à Levante. Et on simulera le match face à Fenerbahçe parce que là, il faut vraiment qu'on se concentre sur le championnat au niveau de la, de la Ligue des Champions. On est pas mal. On a creusé l'écart. On a gagné face au Milan AC. On a 3 points d'avance. Donc, on a une petite cartouche. Alors qu'au niveau du championnat, on est 12e. Ça va pas du tout. Bon, après, on a un match de retard, mais ça va pas du tout. On peut remonter au mieux à la 9e place. Donc là, clairement, on va devoir mettre un coup de collier au niveau du championnat. S'il faut simuler différemment, je simulerai différemment. C'est-à-dire que je me concentrerai et je jouerai les matchs de championnat plutôt que les matchs de coupe et de Ligue des Champions. Je parle de phase de poule, hein, forcément. Je ne vais pas simuler les matchs de élimination. Par contre, c'est un peu chiant les maillots, là. On va jouer en vert, on est chez nous quand même, faut pas déconner. On est bon. On est parti pour le match face à Levante. Faut faire le plein de points. Même si c'est compliqué. Allez les gars, on fait un gros pressing direct. Tactiquement, l'entraîneur a choisi super Garrett. 4-5-1 pour cette rencontre. Allez, allez, on les punit. On les punit. Oh là là, Martial, trop facile. Mais non, mais sérieux, stop. Ah oui, on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. Et Martial. Lob bleu. Vas-y. Mais c'est pas possible. Oh! Oh là, Autriche! Oh le tricheur! Oh le tricheur! Attendez. J'ai peut-être mal vu. Si vous avez vu comme moi. Attendez. Si vous avez vu comme moi, normalement. Hop. Là, il y a une dinguerie. Là, il y a une grosse dinguerie. Attendez. Je fais ma tête. Hop là! Ah, j'ai mal. Hop là! Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, c'est bon. Utiliser les appels des autres, Bale. Oh, bien joué. Oh, oh, c'est Mbabou. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bien joué. La fin de Bale qui décale pour Eriksen. Eriksen décale côté gauche, côté droit, pardon, pour Mbabou. Et Mbabou qui termine cette grosse contre-attaque qui partait à la base d'un corner. Oh là là, Mbabou, le match. Mbabou. Allez, pour tout ce qu'il a fait, notre capitaine. Oh, cette parade. Allez. Oh là 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 là. Eh, Bale, il est très très bon de la tête. Hein. Tu peux faire un câlin à ton capitaine parce que là. Oh, Juju. Bien joué, le travail de Juju. Il remet le. Oh là, cette connexion. 3-0, 30e minute de jeu. Juju qui décale pour Bale. Bale qui feinte. Il remet pour Juju. Et puis la finition parfaite. Rien à dire. Quand l'équipe 1 est en pleine forme, ils sont très très durs. Bon après, on joue quand même. Oula. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a fait exprès de faire la passe? J'ai l'impression qu'il a voulu tirer le premier joueur. Après peut-être qu'il a vraiment fait une passe, hein, mais. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, enfin bref. 3-1. Et ce que j'allais dire, c'est bon, faut faire attention, mais on joue pas non plus contre des grosses équipes, donc. Oh. Toujours pareil. Allez dans le couloir. Oh là, ce retour d'Akanji. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Le corner, le ballon. On va s'y repousser sur la ligne.
Je veux bien qu'on m'explique. Non, parce que là, je veux bien. Premier poteau, la tête. Oh, le gardien qui bug juste parce qu'il y a le défenseur devant lui, quoi. Il y a Théo. Alors, lui, c'est un. Il saute pas. Il fait rien. Non, mais en fait, c'est un CSC de Théo Hernandez. Enfin, CSC, non. Parce que la frappe, elle est cadrée, mais. Ça passe. Oh là là, le caviar. Allez, prends ton temps. Bien joué! Heureusement pour nous qu'en défense ils sont vraiment mauvais sur l'alignement parce que. Ah, Juju qui part encore une fois tout seul face au but. Claque une belle frappe, ça rentre. On reprend 2 buts d'avance, 4-2. Il se tape le Juju. C'est quoi ça? Biche! Oh, dommage. Dommage, dommage. Fallait la tenter, pied gauche en plus, elle arrive du bon pied pour Bale. Mais elle est pas facile. Elle est dure. S'il cadre ça. C'est magnifique, mais bon. Avec Dessy. Oh là 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 là, Eriksen, il abandonne jamais. Oui! Oh là 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 là, la connexion entre les deux. C'est beau. C'est tout simplement son troisième but pour continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Sortie de Gareth Bale qui a fait un très très bon match. Il aura joué qu'une mi-temps, mais on le préserve. On le préserve, j'ai pas envie qu'il soit blessé. En plus de ça, il a que 75 d'endurance. Donc, on préserve Gareth Bale, même s'il nous sort encore une masterclass hein, dans ce match. Hein. Oh là, oh là, oh là, on va se calmer. Ça circule bien. Ils essaient La 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 la. ouais, c'était puissant, Il a précis, mais bien enveloppé Eriksen. Hein. facile Elle redescend, mais malheureusement, ça tape le haut de la barre transversale. C'est pas cadré. Ah, il laisse Martial qui l'action. a du champ. Tu laisses la dernière. Il va nous laisser la dernière. On est passé. Il préfère revenir dans Oh, l'axe. penalty. Il a pas voulu donner le petit penalty pour Martial. Dommage sur sa roulette. Il vient de signer un match Fin du de match. toute beauté. Juju qui a Réussite en marqué. Oui, deuxième il a marqué période. 3 buts. Il a marqué 3 buts, le petit Juju. Et on termine ce match sur le score de 5-2, 16 tirs à 9. Bon, ils nous ont juste mis 2 buts en 3 minutes. Juju qui termine avec une note de 10. Deux passes D pour Bale. 3 pour Eriksen. Je sais pas combien de passes D il a, Eriksen, mais ça doit être bien violent parce qu'à chaque fois, il est dans le cœur du jeu. Bon, après, c'est normal, hein, il est 10 en même temps, mais il est très très bon dans la dernière passe. À chaque fois, il décale. On peut simuler nos entraînements. On est bon. Ouh, 3A. C'est très très rare, ça. Hein. Et c'est pareil, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais Militao, très très bon en défense. Très très bon. Conférence de presse. Laissez-moi tranquille. Mon rôle dans le club. Oui. Bah toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a dit que pour la Ligue des Champions, du coup, on allait mettre l'équipe bis. Kubo qui est un peu fatigué, Chong aussi, mais bon, ils ont 2 jours pour se remettre un peu de leurs émotions. Hop, on peut simuler du coup ce match. On s'en fiche. Et ça serait bien de le remporter, même si bon, on a quand même une petite cartouche d'avance, puisqu'on a gagné contre Marseille et le Milan AC. Donc ça serait bien si on arrivait à faire match nul, ou même une petite victoire contre le Fenerbahçe, ce serait pas mal. Shaqiri, t'es titulaire, donc à toi de me prouver maintenant. Ok. En plus, le Milan AC qui gagne déjà, qui a marqué 1-0 contre Marseille. But de Calhanoglu, je crois. On n'arrive pas à revenir. Hein. Si ça va. Bardi qui est rentré, qui a réussi à planter un petit but un partout, fin du match. Normalement, bon, c'est même sûr, hein, on garde notre première place. On va pouvoir faire un petit rapport d'équipe. On va s'arrêter là. On aura tout de même bien avancé pour notre carrière, les escrocs. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est le championnat, quoi. Championnat, on est 9e. Il va falloir vraiment qu'on fasse une remontée au classement. On a 13 points. Oh, ça va! On n'a que 5 points de retard. Oh oui, moi je pensais qu'on avait beaucoup plus que ça, mais en fait, non. Ça se joue, enfin, ça se joue sur un mouchoir de poche, hein, vraiment. Enfin, dans un mouchoir de poche, pardon. Le Real qui a que 5 points d'avance sur nous. Donc non, franchement, au final, on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas trop mal, on est vraiment dans la course au titre. On est bien. Bon, après, c'est que la 9e journée, mais je pensais qu'on avait plus de retard que ça. On va faire un petit rapport d'équipe pour la fin de la vidéo. Seth qui augmente pas, on regarde tout de suite les attributs. Il a pris un petit moins 1, 76, mais bon, ça reste quand même un bon gardien.
Donnarumma 88, il augmente pas. Youssef Attal plus 1. Mbappé 81, il augmente pas. Mpadou plus 1. Brooks 85, 86 pour Akanji, très très bon. Militao 84, monstrueux. J'ai trouvé vraiment très très bon. Mendy 73, Théo Hernandez 81. Tu vas t'entraîner de la tête, toi, tu vas voir. Wakaso 75, ok. Tonali plus 2, 76. Carvalho 86, notre vice-capitaine. Et Nisbardi, toujours monstrueux. Il augmente pas, 87. Dudu 84. Je sais pas combien de buts il a marqué dans cet épisode. Je crois qu'il a mis 2 triplés. Donc, un au premier et un au dernier match. Kubo 73 plus 1 aussi. Eriksen 89 de général. Le maestro. Chong 80 de général. La choucroute. Shaqiri 82. Bale 85. Il a pris un petit moins 1. Forcément, il perd en accélération. Il va perdre un petit peu en vitesse. Il a 92. Mais bon, ça reste toujours. Il était énorme. Hein. Vraiment. Martinez 85. Martial 89. Ouh, 89 pour Martial. On va bientôt avoir un joueur à 90 de général. Est-ce que ce sera Martial ou Eriksen? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, Eriksen est premier, visiblement, et Martial deuxième, même s'ils sont à égalité. Au niveau des stats, meilleur buteur, je pense que c'est Juju. Je pense que clairement, voilà, il a mis 2 triplés, 10 buts en 13 matchs. Il est surtout à 9 buts en Liga. 4 passes D. 4 passes D pour Gareth Bale. 7 passes décisives pour Eriksen et 3 buts. 3 buts pour Chong aussi, 5 buts pour Martial, 6 buts pour Bale. Enfin bref, on va aller regarder un petit peu le classement, on a déjà vu. On va aller voir un peu les stats. Meilleur buteur, meilleur passeur. Meilleur buteur, c'est Agüero. Avec le Real Madrid, il est déjà 10 buts. Juju, il a mis des triplés, mais pourtant, il y a Agüero qui est vraiment très très fort. Gareth Bale, 8e avec 4 buts. Et au niveau des passes décisives, bon bah voilà. Eriksen, je pense qu'il va vraiment finir meilleur passeur du championnat. Il a déjà 3 passes décisives d'avance sur Kevin Volland. Et Gareth Bale qui est 3e avec 3 passes D. Et au niveau des invincibilités, Courtois premier. Alors le Real, ils sont en train de faire un bon début de saison pour l'instant. Bon, voilà pour cet épisode. On aura joué quand même pas mal de matchs. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre carrière manager. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. C'était Flo Knox aux manettes.